Chers amis internautes d'ActiVision, man le encore docteur Oumar Konaté, continuer donc dans la même lancée que la semaine dernière pour Warlen tout ici éjaculation. Précoce. Donc, comme nous l'avons encore la dernière fois, éjaculation précoce, mon moi bouffé que nid qui donc de faire tel disbocom, tel tour manioubi avant rapport sexuel ou le au moment des rapports sexuels. Donc waxon na len nek ne dem len di andil ñenti conseil donc pour donc une meilleure prise en charge donc de cette affection et si ñent conseil yoyu commenté won na di wax si la prise en charge donc du corps donc développé won na ko la semaine dernière. Ensuite, on avait parlé de la prise en charge donc du mental, donc de l'esprit. Donc, fof nañu waxone tout yi affaire au stress. Stress développé on nañ ko ci benen émission. Donc, vraiment, waxone nañ ci de long en large. Dañuy donc continuer donc dans la même lancée donc pour Diorlen troisième conseil bi c'est la question donc de l'adaptation donc pour question de l'adaptation parce que adaptation soirée adaptation c'est-à-dire day am ay événement yo xamné da fay passé où et bu féké événement yi ñëw na légui nit ki dafa wara and ak comme on dit dafa wara and ak jamono and ak événement bi donc pour mëna gëna mëna gis bopam donc adaptation mëna nek par rapport donc ak une maladie donc nit ki bu féké da fay fièvre donc ay capacité donc dañuy wañéku et capacité donc bu féké wañéku nañu en ce moment là nit ki il faut mo xamné que né li mu mënon demb ak barke demb mënu ko tay bu boba na yemalé donc mënam donc par rapport ak situation bi ni muy présenté au et bu boba lolu daf kay gëna may confiance parce que bu féké nit ki dafa jema def lo xamné mënu ko bu féké dafa fièvre rek en ce moment là fièvre bi su jallé nit ki donc da fay manquer confiance donc lolu mën na tax ba su ko défé ben yoon ñaar yoon manque de confiance bi rek donc problème yu melni donc da fay manifester wu lolu motax bu féké da ngeen fièvre rek xam adapté wu donc à la situation xam leen nek né da ngeen fièvre et sen ay bëgg bëgg sen ay mën mën ngeen xaw ko yemalé et bu boba so len delsu waté les choses vont se faire dans les règles de l'art et du am ben jix jaxam adaptation mën na nek tamit par rapport ak suñu état physiologique parce que comme on dit nit ku nek da ngay judu mag donc am fo tolu maguette après dé bi doora ñew donc bu féké par exemple dañu nek xalé hein liñu mën sur le plan sexuel hein duñ ko mën bu féké amna fo xamné tolu nañ fa bu féké dañuy jëm mag donc bu féké par exemple yow da nga nek ben jeune ngay def sa sport am sa santé ak yépp ngay am sa ñaari corde wala sa ñetti corde bu toy joté ak soxna si en ce moment là to jëmé mak am 50 ans am 60 ans bu boba capacité bobu mën bobu donc da fay wañéku té su wañoko
il faut nga adapté wo nga xamné que li nga mënon demb ak barke demb tay doole wañéku na nga donc nga adapté wo et puis da ngay xol même bu féké da ngay def ben yoon ci semaine bi ben yoon par 10 jours na nek ben bo xamné ben bu jaar yoon et puis bu boba ñepp dañ ci gis sen bop. Donc essentiellement donc si question adaptation bi lol da nga il faut ngén adapter par rapport ak maladie il faut donc ngén adapter donc par rapport ak sen état physiologique yoyu donc bo mo nékon troisième conseil donc bim len apporter et quatrième ak dernier conseil bi man pour man je veux dire mom moy élément bi nga xamné mom mo gëna am importance mom moy gëna am importance parce que bu féké da nga jankonté par exemple ak situation yu melni ngay téré gis bob moy notion éjaculation précoce sans suivre les trois premiers conseils donc gisilo ci sa bob lim lay mëna conseiller vraiment et je vous le conseille vraiment vivement adressez-vous donc à des professionnels dans un premier temps les médecins généralistes sont là donc vous pouvez vous approcher de ces médecins généralistes donc et je peux vous dire ñi ci gëna bari sen problème dañ koy régler beaucoup très 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 facilement à défaut de voir un médecin généraliste bu féké da ngeen bëgg lo xamné lu gëna pointu ngeen gis l'urologue ben urologue et en ce moment là tamit koku mën na apporter ay éléments donc de réponse par rapport à votre situation damay profiter nak si antenne bi si quatrième conseil bi pour dénoncer donc ben phénomène et de me remarquer que ça prend de plus en plus de l'ampleur mi ngi gëna jël ben ampleur et nit ñi barana ñoo xamné ñu ngi ci dugg té les conséquences donc elles sont désastreuses moy donc moy ñi di nga xamné dañuy utiliser dañuy di jëllo ay produits aphrodisiaques yo xamné ñom ñoo kay défar xamul len naka nañ koy défaré xamul len fan nañ koy défaré xamul len yeen dosage le xamul len ndax koku permettre nañ ko pour mu def ko xamul len ndax permettre ñu ko donc nit ñi dañuy jënd genre produit yu mel nonu di ko utiliser ça peut marcher une fois deux fois mais les conséquences que ça peut vous amener c'est-à-dire ça peut être désastreux ça peut être désastreux si côté bobu en fait man ben élément rek la fi jël pour diem ci attirer sen attention on en avait déjà parlé hein si deux émissions yo xamné jall nañu bo nopi attention à l'insuffisance rénale chronique ben da ngeen di utiliser ay produits yo xamné xamul len ko et bu féké xamul len ko toujours conséquence la conséquence donc la plus dramatique c'est l'apparition donc d'une insuffisance rénale chronique et on a fait le tour d'horizon par rapport donc à l'insuffisance rénale chronique et je vous le dis je vous le répète insuffisance rénale chronique sous excès tout dougué ken mënu ci dara loolu rek xanaa ñu changer leen benn rein bi et ce n'est pas quelque chose boo xam ne c'est donné hein ce n'est pas quelque chose de donné donc il faut faire attention donc lim leen di ñaax rek et j'insiste encore sur ça si vous avez bu fekkee am na loo xam ne dafa dugg si te mu jaaxal leen adressez vous au professionnel de santé mom mo gën ngeen ni dem chez les charlatans
ngeen dem chez les charlatans ñu duggal leen ci fo xamné da ngeen di duggu té conséquences yi donc c'est toujours dramatique donc je termine donc sama intervention au tay bi par cette note et comme toujours di remercier donc sama équipe bi les techniciens les caméramans et surtout donc suñu directeur bi monsieur Lamine Fall donc toujours disponible donc qui m'a donné beaucoup de directives beaucoup de conseils donc par rapport à que donc émission bi donc merci donc de me terminer sans remercier donc de me profiter si fête des pères pour donc souhaiter à mes deux pères donc une bonne fête des pères peut-être avec ben un petit retard mais quand même je tiens à leur souhaiter une bonne fête des pères donc je veux parler donc du colonel Hassan Konaté sama grand frère mais actuellement mon enfance mon moi papa famille bi ak sama ben nijaay vraiment koku mom sama papa bop la man ma ko beugal sama bop donc tonton Emmanuel tonton Emmanuel je te fais un coucou et à très bientôt merci beaucoup.